cholo, el barrio, la raza, todos contra todos. Bato loco, tica y cholo, muchos menos menos, feliz al triplo. Somos de calle. Moi, à la base, si j'ai choisi Los Angeles comme décor de référence pour Dark Knight City, c'est qu'ici, dans cette ville, le monde entier est représenté. Il n'y a qu'à voir les quartiers, il y a un tas de quartiers qui représentent le pays. Par exemple, il faut savoir qu'à Los Angeles, Koreatown, c'est la deuxième ville coréenne derrière Séoul. C'est juste gigantesque. La culture hispanique est très très présente à Los Angeles. D'ailleurs, l'identité mexicaine fait partie intégrante de la ville. Tu veux traiter justement d'une invasion extraterrestre ? Et tu veux prendre le truc de manière locale, c'est-à-dire pas faire un film à la Roland Emmerich qui implique la Terre entière avec tous les gouvernements, les pays, machin et tout. Si tu veux rester intime et local, Los Angeles, c'est parfait, quoi. Donc, en plus, si tu veux montrer les hommes qui s'entre-déchirent au travers des gangs, c'est nickel. Enfin, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui ont fait que, ouais, pour moi, c'était vraiment la ville référence idéale pour mon récit, quoi, et pour mon univers, en fait. En tant que Français, j'avais pas les références quand j'allais à Los Angeles, donc je ne savais pas reconnaître un quartier résidentiel type middle class d'un ghetto, quoi, pour tout dire. Donc, pour moi, c'était juste voilà, une succession de petites maisons charmantes en bois plein pied. Donc, voilà. Et au fur et à mesure de mes allers-retours là-bas, j'ai commencé à me faire une petite fixette sur les palmiers. Là-bas, c'est des Washingtonia Augusta. Et le palmier pousse, et au fur et à mesure qu'il pousse, les palmes fanent. S'il est bien entretenu, il y a quelqu'un qui vient retirer les palmes mortes. Et si autour du tronc, au fur et à mesure, t'as une masse de palmes fanées qui s'accumulent, a priori, t'es dans un quartier pas ouf. Donc au plus je voyais des palmiers qui avaient des grosses beubards, tu vois, comme ça, qui descendaient jusqu'au bout du tronc, au plus je me disais, ouais, là c'est peut-être un petit peu ghetto, donc je vais peut-être pas trop m'aventurer à pied là-dedans. Et voilà, et à côté de ça, t'avais les petits palmiers bien entretenus de Beverly Hills ou quoi, où là tu sais qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, après, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mais en tout cas, c'est une indication que j'ai donnée au studio 4C en leur disant, quand on est dans le ghetto, faut que les palmiers ils aient des espèces de grosses beubards, des gros manteaux, là, comme ça, qui vont jusqu'au bout. Comme ça, là, on sent qu'on est un petit peu plus dans le ghetto que si tu fais tes petits arbres comme à Hollywood, tes petits palmiers tout beaux, tout frais, on y croit moyen, quoi.